Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous proposer une vidéo achat-revente assez rapide. Je suis content des retours que j'ai eu sur ma première vidéo parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc on va partir sur défi création d'équipe. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça c'est pas très intéressant. Et là, vous allez avoir deux défis. C'est un défi Liganos et un défi MLS. Ça, c'est les défis qui sont plutôt intéressants parce que il y a des joueurs à gagner, des crédits à gagner et que j'ai oublié de vous montrer et que ça utilise les joueurs de Liga NOS et de MLS. Regardez, faut quasiment, faut toutes les équipes, 11 joueurs de chaque équipe, notre général minimum 69, collectif 95, Benfica 78, vous allez voir. Donc il faut tout remplir. Faut remplir. Et ça utilise les petits joueurs. Vous voyez? MLS c'est pareil. 65, 67, 67, 68, 69, 70, tac tac, 68. Ça utilise que ces joueurs-là. Donc, et il y a toutes les équipes à faire. Donc je vais vous montrer pour ceux qui ont une bonne collection. Là, j'ai fait 3 ventes sur la Techno Rare, toujours et encore. La Techno Rare, la vidéo est disponible. Donc, vous allez vous mettre en championnat. On va prendre MLS pour commencer. Alors, vous avez la solution pour ceux qui ont des connexions de fou. Vous voyez, là, il y en a à 350. Et on va simplement, je les envoie sur la liste des transferts. Tac tac. Et on va voir. En immédiat, à 400, il y en a pas mal. Il n'y a que 3 pages, 4 pages, 5 petites pages. À 500, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, ces joueurs là vous allez pouvoir les remettre à 550 tranquillement parce que c'est pas fou non plus. Voilà, après vous pouvez regarder les joueurs argent aussi. Ouais, bah moi je suis ressorti comme un teubé, je maîtrise pas encore ce. Vous voyez, joueur argent, si vous avez moyen d'en choper. C'est toujours plaisant. Et il y en a qui tombent en tech 59. Voilà, 250, vous voyez, vous mettez à 500, ça part. Voilà, on l'a pas eu. Et on l'a eu. Là c'est pareil, vous les mettez à 550. Ça fait des petits crédits parce que il y a des joueurs et 20 000 crédits je crois pour la MLS. Et là où c'est encore plus fou, la MLS il y a pas mal de joueurs. Mais vous allez regarder la Liga NOS, on va prendre le premier club, Arouca. Je suis sorti comme un teubé. Ganos, le premier club, Arouca. Putain, j'en ai marre, la manette Xbox One. Donc, on recommence. Liganos, vous allez me prendre pour un teubé, quoi. Arouca, et on cherche, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. 1700, 1500 le plus bas. D'accord? On va faire en bronze. Bouffon, pourquoi t'es ressorti? Voilà. En bronze, il y en a 3 à 1500. Vous pouvez vous mettre à 1000 tranquille.
et spammer. Vous pouvez regarder, hein. C'est pareil pour celui-là, 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 celui-là. Là, il y en a 1 000. Celui-là, c'est pareil. Là, il y en a 1 000. Là, il y en a plusieurs, 800. Tac, tac. Vous regardez par rapport au club Braga. Tac, tac. Voilà. Vous faites la même chose en argent. Les gros clubs, il faut chercher plus bas parce qu'il y a plus de joueurs. Mais ces clubs-là, vous voyez, 950, 600, 600, celui-là, je pourrais le prendre. Prendre ceux à 600, les mettre à 900, par exemple. Oui, il y a toujours moyen de se faire du crédit. Là, il y en a un 950, boum, on prend, je vais le mettre à 1200. Et ça partira. C'est aussi simple que ça. Il y a moyen de se faire du bénéf avec les créations d'équipes. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.